have made to you're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Pourquoi avoir choisi la rue du Brabant pour faire de la distribution comme ça? Parce que ce sont des nouvelles communautés belges qui y vivent, que j'ai beaucoup fait pour ces communautés, je me suis beaucoup battu pour qu'elles soient reconnues dans leur culture, pour qu'elles soient aussi mieux acceptées dans notre pays. Et donc, j'ai un capital de sympathie qui est vraiment très grand dans ces communautés-là, qui me reconnaissent, qui m'accueillent, qui savent que je suis un vrai libéral, respectueux de leur culture, de leur identité, de ce qu'ils sont. Il y a une personne qui a compté très fort dans votre vie, c'est votre grand-mère, ouais, à qui vous devez beaucoup. Ouais. Votre combativité, entre autres. Oui, je crois d'abord qu'elle m'a appris le sens de ce qui est juste et le sens de la responsabilité personnelle. Nous avons toujours été éduqués, on était pauvres, mais on a toujours été éduqués, on devait être propre, on devait être respectueux des autres et on devait faire nous-mêmes ce qu'on pouvait faire nous-mêmes. Et on nous disait, vous pouvez presque tout faire vous-même. Donc le travail, la responsabilité, le respect de l'autre, la solidarité aussi, c'est extrêmement important. Partager, ne pas gaspiller aussi, tout ça sont des principes de base. Qui m'ont été inculqués par ma grand-mère d'abord. Jean Gol avait avec moi une relation de grand frère, parce que j'étais un peu plus jeune que lui, donc il était extrêmement soucieux de me cultiver, de m'apprendre des choses, de m'apprendre aussi le souci du détail, le souci des dossiers, etc. Donc il m'a beaucoup appris, mais c'était aussi une relation assez forte, assez virile. Tout le monde venait d'abord chez moi, pour me transmettre les choses, à transmettre à Jean Gol. Donc j'ai joué un rôle assez important dans le parti, puisque lui était vice-premier ministre, ministre de la Justice, et moi j'étais président du parti à l'époque. Et donc je crois que s'il devait revenir aujourd'hui, il serait fier et de son parti, et je crois qu'il serait fier de moi. Il serait aussi fier de Didier Reynders, qui était un autre de ses dauphins, de ses poulains. Il y a deux personnes dont vous êtes aussi très fiers, ce sont vos deux fils, Charles et Mathieu. Alors on connaît un peu plus Charles que Mathieu, deux garçons différents de caractère, mais auxquels aussi vous avez été un tuteur, plus qu'un père, aussi un tuteur dans la vie. Mais je pense qu'ils ont en tout cas manifestement été attirés par mon combat politique, par la force de mes convictions, aussi je pense par l'authenticité, la sincérité de mes convictions. Et donc, je leur ai transmis ça un peu sans le savoir. Et aujourd'hui, je suis très fier que tous les deux sont engagés politiquement, que tous les deux sont à l'écoute des gens, sont proches des gens, se sentent solidaires des gens, se sentent en fait des gens du peuple. Et c'est extrêmement important que les politiques soient issus du peuple. On a beau être, comme vous, Louis Michel, un homme professionnellement comblé, mais quand même pas des frustrations, quelque part. Bah, évidemment, par exemple, de ne pas pouvoir assez entretenir mes grandes amitiés. J'ai plein d'amis sincères qui sont dans le fond, qui faisaient partie de ma vie avant mon parcours politique. Et je regrette tellement de devoir négliger ces amitiés-là, parce que ce sont des amitiés qui ont été créées, fondées à un moment où j'étais vraiment un jeune assez pauvre, assez démuni, qui ne promettait pas la carrière que j'ai connue après. Donc ceux-là sont vraiment mes amis dans mon cœur et dans mon souvenir. Parfois je les revois encore, mais pas assez. Si vous deviez vous donner une grande qualité? Je pense quand même que je suis très sensible aux autres, que j'ai en moi une parfaite conscience de la douleur des gens. Je crois avoir aussi quand même souffert dans ma vie, et je crois que pour un homme politique c'est aussi important. D'ailleurs, dans l'expérience d'une vie, pour un homme tout court, généralement on constate que ceux qui ont plus souffert, qui ont eu plus de défis à relever, sont généralement plus généreux, plus ouverts aux autres, plus sensibles. Et donc finalement, il faut toujours prendre dans la vie tout ce que la vie peut vous apprendre. La douleur apprend, elle apprend sans doute plus que la joie. La joie apprend aussi. Mais ce qui est sans doute la plus belle qualité, à mon avis, chez un homme ou chez une femme, c'est le sens du partage. Et si on devait donner un défaut de Louis ?
Je pense que mon gros défaut, c'est d'être d'une certaine manière perfectionniste. Et donc je suis d'une exigence totale. Oui, vos collaborateurs aussi, le disent. Hein. Oui, je suis d'une très grande exigence de moi-même. Je travaille beaucoup et j'exige aussi qu'on travaille beaucoup avec moi. Je pense que peut-être un autre défaut, c'est que je ne fais pas attention suffisamment à moi et à ma santé. Je suis totalement tourné vers l'autre.